la trouvez pas sur Google Play ou Google Store, non, Google Store, vous pouvez retrouver une autre qui s'appelle My Days. Je les aime toutes les deux parce qu'elles sont simples à utiliser. Elles ne font que ce pour quoi je voudrais le plus me concentrer. C'est vrai qu'elles font d'autres choses à traquer, la fertilité et tout le reste. Mais moi, je les utilise précisément parce qu'elles me permettent de savoir quand est-ce que le prochain cycle est censé commencer. Ou alors, quand est-ce que j'ai eu mon ovulation. Et également garder une trace de tous ces jours où je pourrais avoir un rapport sexuel. Lorsque vous lancez l'application, voici à peu près votre page d'accueil. Ce que je fais souvent, c'est je vais directement dans mon calendrier et j'essaie de regarder à peu près quand est-ce que ma date d'ovulation est probable et également la date de mes prochaines règles. Vous voyez ces triangles, Donc, d'après ceci, mes prochaines règles sont censées commencer le 10 juin. Donc, voilà pour moi ce qui est plus important pour cette application. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est précise. Je vais vous fournir à peu près quelques conseils ou quelques astuces pour que vous puissiez les subir avec...